Ohayo minasan, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, les vacances d'été sont bientôt terminées. Mais c'est pas grave, profitez de ces dernières semaines de vacances. Et après, RIP. Autour des devoirs, du travail acharné chaque soir. Surtout pour ceux qui vont dans des grandes écoles de médecine, par exemple. Ça doit être dur pour vous, on n'est pas ensemble. Mais ça doit être très dur pour vous. Bref, aujourd'hui, les amis, on va encore une fois réagir à les To Be Continued version animée. Je vous l'avais demandé, ça vous a beaucoup plu. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Dites-le moi. Au passage, c'est la dernière vidéo sur les To Be Continued. Il n'y en a pas un million, vous inquiétez pas. Donc, moi, je mets mon casque pendant que vous, vous allez chercher à manger, à boire, enfin tout ce que vous voulez. Histoire de passer un bon moment devant cette vidéo, ok? Let's go. Oh. Ok, oui, voilà, je me disais, mais il fallait qu'il y ait un truc là, what the fuck. Ah ouais, non, ça c'est... Ça, je vous le dis, c'est pas pardonnable, hein. Ce moment précis là. En plus, elle allait la prendre en plus. Ose prendre ma petite fraise sur mon joli gâteau. C'est quoi cette phrase que je viens de dire? Et crois-moi que ça va mal se passer. Que t'as peur là? Quand je te parle sérieusement comme ça là, comme un bad boy. Je suis pas crédible. Dites-moi que je suis crédible, s'il vous plaît. Ça, c'est parce que j'ai pas mon sabre aussi. C'est surtout parce que j'ai la flemme de me lever pour aller le chercher. À un moment, c'est bon, quoi. Oh, mais ça vient de l'anime Oreimo, je crois. C'est l'anime... Pourquoi tant de violence? Oh, faut m'expliquer, hein. Pendant un moment, avec cette image, j'ai vraiment cru qu'elle jetait son pote par la fenêtre. Ceux qui ont regardé la première vidéo, je vous avais donné un très bon conseil d'amis en tant que sage de cette population française. Mais tout ça pour dire, ne jetez pas vos potes par la fenêtre. Voilà, c'était un message de prévention de la part d'Animax. Ah là là, qu'est-ce que je suis gentil de donner des bons conseils, moi. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la première vidéo, c'est juste là. Oh nice, en français. Oula, attends, j'ai même pas eu le temps de lire. Mon estomac me fait mal, est-ce à cause des tomates? Ok, là, je peux faire lecture tranquillement. À quel moment? Et non, va vraiment falloir m'expliquer, hein. À quel moment, quand ton ami dit qu'elle a mal au ventre, etc., à cause de quelque chose, à quel moment tu rentres dans les toilettes où elle est, en fait? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas, allez-y, dites-le moi, parce que je comprends pas, hein. J'espère que parmi vous, il n'y a pas des gens qui font ça, hein. Non, parce que vous êtes débiles, hein, je vous le dis clairement. Rectification. C'est les toilettes des hommes. Bon, on inverse les rôles du coup. Qu'est-ce que cette fille fait dans les toilettes des hommes, maintenant? Oh, bordel de merde. On peut dire que cette vidéo commence bien, hein. Ouais. Oh, gunfight. What the fuck? C'est quoi là? La vidéo s'appelle au mauvais endroit au mauvais moment. Je crois que ça se voit bien déjà. Déjà pourquoi ce mec a une tête de cheval déjà juste? Mec, mais regarde-le. Cette déformation du visage. J'adore les animés, bordel, c'est magnifique. Ce genre de déformation me fait penser aux vidéos ralenties quand on se prend un coup de poing, etc. Avec je sais pas combien d'images par seconde qui sont trop stylées là. Exactement la même chose. Oh, c'est un feu. Attends, ça me fait penser à... Je sais pas après, mais je pense savoir de quel animé ça vient, ça. Another. Je le savais. J'ai toujours pas regardé Another d'ailleurs. Hein. Après ce que j'ai vu dans les vidéos d'avant, j'étais sûr à 100% que ça venait de cet animé-là. Ça, c'est ce qu'on appelle être au mauvais endroit au mauvais moment aussi. Hein. Combien de pourcentage de chances que le lustre tombe pile au bon endroit au moment où tous les élèves passent? Faut que je regarde cet animé, bordel, hein, sérieux. Ouais, tcha. Oh non. Oh non. C'est quoi ce bruit? Alors de une, c'était dégueulasse. De deux, ce passage est extrêmement triste. Et de trois, à quel moment tu chutes comme ça? Et en plus de ce bruit-là, en plus. Jamais, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Mais si ça arrivait dans la vraie vie, ce serait extrêmement drôle. Ouais, ouais. Fait un long chemin, t'as fait un énorme voyage. Là, tu dis une rivière, je vais boire de l'eau. Et là, tu te rends compte que l'eau que tu bois. Je souhaite que ça arrive à personne, ce genre de moment, vraiment. Oh, ça vient de Full Metal, ça, il me semble. Oui, oh, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Winry, mon dieu. Je me souvenais pas de ce moment. La vidéo s'appelle He Hates the Kid, donc faut pas se. Voilà. Oula. Ça vient d'où ça? C'est pas... Ah, je crois que c'est Berserk ça. C'est passé quoi là? Qu'est-ce que c'est que cette déformation du visage extrêmement abusée? Je suis en train d'imaginer ce que ça rendrait dans la réalité si ça fait... C'est pas joli. Au couteau de Ken, ok. Oh, oh non.
C'est extrêmement triste. Je compatis, mec. Je compatis. Ça m'arrive jamais, ça, mais. Je sais pas, pour moi, dès que je rentre dans des toilettes, c'est la première chose que je regarde. Dites-moi si ça, ça vous est déjà arrivé, parce que moi, jamais. Rip à cette personne qui était en face. Que quelqu'un vous a déjà gerbé sur la gueule. Non mais parce que ça peut être traumatisant, tu vois. Du coup, si vous voulez en parler avec moi dans les commentaires, allez-y, vous pouvez le faire. Je suis là pour ça. Et j'ai un conseil pour ces personnes-là qui vomissent à tout va. Ne vomissez pas sur vos potes, c'est pas bien. Voilà, je sais, j'aime bien donner des petits conseils comme ça. Comme la dernière fois pour la fenêtre, hein, c'est la même chose. Oula. Non, non, me dis pas que tu vas fail. Ça déjà, sauter d'un balcon à un autre, j'aimerais le faire aussi, mais je le fais pas parce que la question se pose même pas en fait. Le pauvre, le pire c'est qu'il avait réussi, mais on est dans un animé, il pouvait pas réussir aussi facilement. Alors, on va soulever un point. Le voleur est à vélo déjà. Toi, t'es à pied, tu regardes le mec voler ton portefeuille et tu ne fais rien. J'espère vraiment qu'après, il leur course après. Hein. Parce que là, ça va pas. Hein. Le mec, il est en vélo, mais je lui shoot la roue arrière du vélo, ça va pas ou quoi? What the fuck? Ça vient de. Ça vient de Food Wars, ça! Je me souviens très bien de ce moment. Du coup, je vous laisse savourer. Pour ceux qui n'ont pas vu Food Wars. Ah, il monte même pas le moment, ok. Dans la vidéo, il monte juste après, il met une réponse pour celle-là. Du coup, pour ceux qui voulaient voir la suite. Voilà, désolé à tous ceux qui avaient jamais vu Food Wars, je vous ai fait... je vous ai fait du mal. Je m'en excuse, bordel. Je suis désolé, les gens. Oh, qui est-ce? Je veux pas savoir en fait. La voix elle semblait tellement mignonne au début. Et il a fallu que je tombe sur ça quoi. Triste la vie hein. Oh, attaque du titan. Ah ouais non, ok, c'est bon. Je vois c'est quel moment. Ce visage. La bise Mikasa, on t'aime tous énormément. Oh, oh là 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 là. C'est bien d'être live, ouais, c'est bien ça. Elle a pas remarqué encore. Ah, il a fallu qu'il sorte pour qu'elle remarque, hein. Bah c'est... Eh ben super. Et quand que ça m'arrive, ça? Oh, c'est en français. Je suis revenu, ta mère, mais... Là, tu vois, quand je regarde ça, je me dis, ça peut arriver, tu vois. Quand tu te bats avec tes potes ou même avec des meufs, tout ce qui tu veux pour t'abuser, ça va dans absolument tous les sens. Donc ça, ça m'étonne pas. Sauf que la mère est rentrée au mauvais moment. Et du coup, là, pour expliquer ça, vas-y, hein. Bref, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura extrêmement plu. Je pense avoir fait clairement le tour du sujet. Il y en a plein d'autres que j'ai sûrement pas montré dans la vidéo parce que c'était pas ouf du tout. Mais sinon, franchement, c'était super cool. Du coup, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si ça t'a plu, à me commenter ce que tu en as pensé dans les commentaires, oui. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Moi, je te jure, tu peux, ouais, c'est une nouvelle fonction que YouTube a ajoutée il y a pas longtemps. Du coup, tu peux essayer. Surtout qu'il y a plein de choses cool qui arrivent, là, surtout pour la rentrée, etc. Enfin, je dis rien. Bref, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, c'était Animax, avec deux i je précise. Ciao.